qui c'est le bébé? Monsieur Benjamin Netanyahu. Vous êtes coupable de jeunesse, de crime contre l'humanité. Vous avez excessif de force, de manipulation des médias, de surveillance de masse, de colonisation humaine. Vous êtes coupable d'oppression. Nous arabes, on a tous le même sang dans les veines. Biologiquement, rien ne différencie de toi et lui. La politique des envahisseurs est à vomir. La colonisation abusive qui augmente sans cesse leur empire. Après l'Holocauste et la culpabilité mondiale, ils vous ont offert votre terre idéale. Un pays déjà habité, à aucun moment vous avez cohabité. Comment tu réagirais si tu trouves un mec dans ton canapé? Puis avec le temps, il squatte tout l'appartement. La CP par un gouvernement, un gros coup d'armement et de bombardement. Ce qui devrait l'attendre, c'est l'internement. Et là, c'est fait par un gouvernement, un grand coup d'armement et de bombardement. Ce qui devrait l'attendre, c'est l'internement. L'internement. Le vieux Benjo s'a complètement pété infusible. À quel moment c'est acceptable, à quel moment c'est envisageable, encore moins excusable de prendre autant de vie. Il perpétue tu ce que son peuple a subi. En quoi est-ce différent des nazis? Avec derrière lui bien sûr les États-Unis. Nos bons vieux cowboys sont toujours de la partie. Ils fournissent tout ce qui tue et détruit. Certains militaires sont aussi fous que leurs dirigeants. Ils s'exhibent avec des cadavres en se filmant. Ils rigolent en faisant couler le sang. Des actes dignes de Satan. Crois-tu sérieusement que ton Dieu apprécie ça? Crois-tu vraiment qu'il aurait fait comme ça? Crois-tu vraiment qu'il te pardonnera? Lord.